Je m'appelle Amel Benrouba, j'ai 24 ans et je suis actuellement VIE Business Analyst au sein de RRG Suisse pour une durée de 12 mois. Après un baccalauréat scientifique, j'ai commencé par un DUT, technique de commercialisation, et j'ai fini par un Master 2 ingénieur d'affaires que j'ai réalisé en alternance au sein du groupe Renault. Je voulais faire un VIE parce que j'ai toujours été attirée par la dimension internationale. Donc j'avais au préalable étudié un an à l'étranger, 6 mois au Canada et 6 mois en Corée du Sud. Et j'ai vraiment adoré l'expérience et je me suis dit qu'il fallait que je recommence, mais pour le monde professionnel. Et du coup, c'est pour ça que je suis VIE aujourd'hui au sein de RRG Suisse. J'ai senti qu'on m'a tout de suite fait confiance et qu'on m'a donné beaucoup de responsabilités. Et justement, pour moi, ça a été une source de motivation parce que c'est très valorisant de savoir qu'on reconnaît nos compétences. RRG, c'est un groupe que j'affectionne particulièrement de par leur politique RH, de par leurs valeurs, parce que je m'y reconnais. Donc féminisation, c'est très important, diversité, inclusion. Surtout dans un pays où on a la chance d'avoir une richesse culturelle. Le fait de savoir qu'on est reconnu et qu'on nous donne notre chance au même titre que les autres, ça c'est important. C'est important de se sentir soutenu et surtout entendu. Donc par exemple, je suis ici aujourd'hui avec vous, moi ça me fait plaisir de pouvoir communiquer et de pouvoir raconter mon histoire pour que demain, je sais pas, mon voisin ou mon petit frère, il voit la vidéo et il se dit « Ah bah, si Amel, elle a fait ça, moi demain, je vais faire la même chose ou je vais faire mieux. » Et ça, pour moi, c'est important. Donc le fait d'être soutenu par une entreprise, par deux entreprises en l'occurrence, Business France et RRG, pour moi, c'est du bonheur de se sentir entendu, soutenu, accompagné. C'est pas parce qu'on vient d'un quartier prioritaire de la politique de ville qu'on peut pas entrer dans une grande école, qu'on peut pas faire de longues études et faire des stages dans des grandes entreprises. Donc quand on veut, on peut. Il faut simplement pas se donner de limites. Mais surtout aussi, la motivation, c'est important. Il faut se donner les moyens de réussir, tout simplement. Moi, je dirais que le VIE, c'est une expérience inestimable.